Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon les gars, apparemment maintenant les femmes se plaignent d'être ignorées par les hommes au travail. On dirait que c'est un sketch. Non, c'est une réalité. J'étais en train de lire un tweet où la meuf a dit « I was talking to a female friend ». Donc j'étais en train de parler avec une amie, et elle me disait que comment elle était seule lorsqu'elle travaillait avec les hommes de son équipe. Because they all maintain a respectful distance from her. Donc, because ils maintiennent tous une distance respectueuse par rapport à elle. They don't want to come off as creeps. Donc, ils n'ont pas envie de passer pour des charros, tu vois. Et sans s'apercevoir que du coup, ils l'ont complètement isolée. Ça, c'est le retour de bâton de tous les mouvements MeToo, de tous les Believe All Women. Les gars, ils font attention. Hein, quand tu vois 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20 qui finissent en prison ou qui sont même allés jusqu'à la prison. On va pas aller jusqu'en prison, ok? Mais il y en a quand même. Hein. Et je connais même, j'avais même fait une vidéo sur un gars récemment qui avait été en prison parce que sa femme a dit oui, pendant qu'ils étaient en train de se disputer, oui, je me sens agressé, il m'agresse, etc. Et la police est venue, il nous met en prison, boum boum, il a perdu son travail, boum boum. Alors, même après, la meuf elle est revenue sur ce qu'elle disait, non, mais en fait, c'est pas vraiment passé comme ça, elle a dit c'est trop tard, on a pris le truc en marche, c'est fini, nani, le gars il s'est suicidé. Bon, donc oui, à un moment donné, les gars ils se disent, bon, on va prendre nos distances pour pas qu'il y ait de MeToo, pour pas qu'il y ait rien qui soit mal interprété, comme ça il n'y aura pas de problème. Il y a un article aussi que j'étais en train de lire, donc ils disent ouais, les hommes aujourd'hui évitent les femmes au travail, et évidemment elle n'est pas contente, elle dit apparemment c'est elle ou pas, apparemment Awa Madawi, elle n'est pas contente, tu vois, elle dit c'est encore un autre signe pour pouvoir être puni pour le MeToo. Elle voit comme si, on comprend pas les gars, attendez, pourquoi vous nous esquivez maintenant, c'est bon, hein, vous voulez nous punir parce qu'on vous balance, c'est ça? Mais bon, on a vu ce que ça a donné, hein, tous les gars qui ont perdu leur travail, leur femme, à cause des MeToo, alors que c'était pas vrai, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable, entre les meufs qui mentent et les meufs qui exagèrent, ou les meufs qui, j'ai ressenti un harcèlement sexuel, alors que dans les faits, il n'y avait rien de spécial. Hein, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce truc « believe all women ». Non, on croit les gens quand ils ont des preuves. c'est pas... En tout cas, nous, c'est comme ça, nous. Hein. Nous, on doit prouver. Si il n'y a pas de preuves, ça ne fonctionne pas. Et les meufs, elles viennent. Souvent, j'aime bien prendre le cas de Chris Brown parce que lui, il est abonné à ça. Les meufs, elles viennent, elles disent « ouais, bon, il m'a violé ». Et là, c'est parti, ça part sur les réseaux sociaux. Ah là là, il a encore violé quelqu'un. Ah là là, ça y est, c'est bon. Et lui, il est obligé d'avoir des preuves pour pouvoir, le dernier cas en date, heureusement, il avait des preuves, il avait des textos, tout ça. Et il a montré, voilà, qu'en fait, c'était le mytho, la meuf. Voilà. Et après, bon, évidemment, aucune responsabilité pour la femme qui ment. Aucune. Je sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'une meuf, aujourd'hui, elle peut mentir. Elle peut dire qu'il m'a violé, ok. Si t'as pas de preuves, tu te fais défoncer. Déjà sur les réseaux, tu connais les hommes, personne ne les croit, ils sont toujours guilty avant même de d'ouvrir la bouche. Hein. Tu es déjà condamné de manière sociale, donc ton travail, tu perds ton travail. Même si après, j'avais vu une vidéo où il y a un gars, une meuf, elle avait dit ouais, le gars m'a violé, et c'était les étudiants. Et en fait, heureusement qu'il y avait les caméras de surveillance. Et en fait, on la voit, elle est en train de kiffer dans l'ascenseur, elle est sur lui, elle veut l'embrasser, etc. Et donc du coup, malgré ça, même si ça a été prouvé que genre, il n'avait rien fait, qu'elle était consentante en fait, eh ben, il a dû quitter le campus, il a dû quitter l'école, il a pu être accepté. Et il a eu une mauvaise image. Tout ça parce que l'école, en fait, ne voulait pas se mouiller. Ils ont dit, écoute, ouais, ok, oui, on sait que ce n'était pas vrai, mais c'est mieux que tu ailles ailleurs. C'est mieux, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, donc voilà où on en est. Et évidemment, la fille qui a menti, c'est cool, elle est sur le campus, elle fait sa vie comme d'habitude. En fait, moi, je n'aime pas la justice. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question que je n'aime pas la justice. Je n'aime pas les plus faibles, les plus forts qui profitent sur les plus faibles. C'est un truc qui m'aurait plus, en fait. Et quand je vois tous les gars du MeToo qui se sont fait défoncer, qui ont perdu leur femme, leur travail, leur réputation à cause d'une meuf qui a ou exagéré ou qui a dit ce qu'elle ressentait, ok, ressentir quelque chose n'est pas lié forcément, n'est pas corrélé à une réalité. Ok, je peux ressentir une peur, mais sur une situation qui n'existe pas en fait. J'ai peur de quoi? En fait, ça n'existe pas. J'ai peur de quelque chose. Tout ça, c'est moi dans ma tête. Je me l'invente. Voilà, j'ai peur. Je sais pas moi.
Il y en a qui ont peur des insectes, par exemple. Voilà, imaginons. T'as peur, ah, mais t'as peur pourquoi en fait? Réellement, c'est pas réel. Le scarabée va rien te faire. Okay, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Et on le sait, c'est pas grave, je vais le dire. Non, mais c'est pas grave. Je vais le dire, même si je sais que personne. Même si c'est des choses qui ne devraient pas être se dire. Mais tu sais que les femmes, elles sont très émotionnelles. Des fois, elles exagèrent beaucoup. Hein? Pas toutes. Hein? Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui se font pas harceler sexuellement. Ne dis pas ce que j'ai pas dit, ok? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu sais que des fois, ça exagère. On le voit, de toute façon. On le voit. Quotidien. Parce qu'il y a celles qui mentent, mais il y a celles qui juste disent « Ah, je me suis senti harcelé. » Pourtant, dans les faits, il n'a rien fait, le gars. Il ne l'a pas touché. Après, tu me dis « Oui, mais verbalement, tout ça, etc. » Oui, ok. Mais il suffit que tu sois chade. Ça passe en « Ah, il flirte avec moi. »« Ah, il m'a dit qu'il était mignonne. »« Ah, que si jamais le gars, il est moche. »« Ah, je me sens harcelé. » »« Laisse-moi tranquille. » Et en plus de ça, je rajouterais bah, « Attends, c'est normal qu'il y ait des attirances entre les hommes et les femmes. » C'est la base en fait. C'est normal que l'homme il essaye de. Bah, il est attiré par la femme et la femme aussi. Hein. On fait comme si la femme n'était jamais attirée par l'homme. C'est normal que le gars il va essayer de. Comment dire? Pas flirter, mais c'est de te draguer, voir si jamais il y a possibilité en fait. En fait, c'est comme ça que la vie fonctionne en fait. Voilà. On est sur terre comme ça, on est attiré l'un et l'autre et après on crée une famille, etc. Si dès qu'un gars il est moche et que tu n'aimes pas ou que tu n'étais pas attiré, tout de suite tu te sens harcelé sexuellement. Tu vois bien qu'on est un petit peu dans l'exagération. Hein. Sans compter toutes les meufs qui mentent clairement. Là. Parce qu'il y en a plein qui sont revenus sur les MeToo et disent oh non, mais en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, etc. Tu vois, ça me rappelle Meghan, là. Meghan et le prince. Comment il s'appelle encore lui? Le prince Harry, je crois. Le prince Harry. Ils ont dit voilà, on était dans une course-poursuite, on a failli mourir. Comme Diana, la princesse Diana. On a interviewé le taxi, il a dit. On lui a dit ouais, et alors, ils étaient en danger, tout ça? Il a dit. Ouais, je pense qu'elle exagère un petit peu, Meghan. Je pense que là, Après, le maire de New York, il a intervenu, il a dit, écoutez, une course-poursuite de 2 heures sur New York, avec tout le trafic qu'il y a, il y a des policiers à tous les coins de rue. J'ai du mal un peu à y croire. J'ai un petit peu du mal à y croire. Bah, bien sûr, personne n'y croit, tu vois. Et c'est ça qu'on appelle, tu vois. Peut-être qu'elle réellement, alors elle peut aussi mentir, mais peut-être que réellement, elle a ressenti comme ça, ah, j'ai failli mourir, tout ça, et le truc a duré 5 minutes, tu vois. Donc les preuves. C'est pour ça qu'on avait demandé au président Macron, je sais plus, je sais que je le dis à chaque fois parce que ça m'avait marqué sur Bouscapé, la meuf elle avait demandé, ouais Believe All Women, est-ce que vous allez mettre ça en place, tout ça. Il a dit, bah non les gars, faut des preuves, non. Nous on doit donner des preuves, mais vous donnez pas de preuves, vous êtes comment, vous êtes des femmes, vous êtes, je sais pas, il y a un truc de spécial, vous mentez jamais, vous êtes toutes gentilles, qu'on comprend pas en fait, c'est quoi le truc. En fait vous voulez vraiment faire des lois, déjà les lois sont déjà là, des lois, c'est même plus des lois pour protéger les femmes, c'est des lois que les femmes utilisent pour pouvoir défoncer les hommes. En fait c'est, on comprend pas, heureusement qu'on est dans une société patriarcale, hein, les meufs qui se plaignent quand on est dans une société patriarcale. Bon, heureusement parce qu'on veut tellement vous protéger que vous pouvez utiliser des trucs contre nous. J'arrive toujours pas à me remettre qu'une femme peut mentir sur un gars et genre c'est à lui la peau de se débrouiller quoi. Elle lance le truc, hop, débrouille-toi. Alors il a réussi à s'en sortir ou pas? Ah, il y avait des preuves, bien joué. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Elle, aucune conséquence, rien. Donc du coup, il y a un nouvel article, voilà, l'article que je suis en train de te dire. Ils ont montré que en fait, maintenant, 27% des hommes évite le one-one meeting, bon ça tu comprends, avec des femmes, donc ça fait pratiquement 30%. 21% des hommes ont dit qu'ils reluctant, j'oublie ce que ça veut dire, mais ça veut dire que sûrement would be reluctant to hire a woman for a job, bon ça doit sûrement dire qu'ils hésitent, ou qu'ils, ça doit être comme ça, dans le contexte je pense. Je sais que ça ne veut pas dire ça, mais j'oublie ce que ça veut dire, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Toi, 21% des hommes, on sait qui préfère éviter d'embaucher des femmes pour un travail qui demandera des interactions qui sont assez proches. Genre, par exemple, business voyage, par exemple. Tu vois. Donc, c'est comme je te disais pour le féministe. En fait, tous les mouvements comme ça, MeToo, Believe All Women, féminisme, ça a plus un impact négatif, délétère sur elle, en fait. C'est pas son. Alors, oui, nous, mais nous, on va prendre nos dispositions, comme les gars ils font. Ben, les gars ils disent, bon, ok. Comme ça, il n'y a pas de problème. Les gars, je lui fais plus de compliments. Je n'interagis plus avec une meuf seule dans une salle tout, sans caméra, sans rien. Je ne vais pas boire un verre avec elle parce que si jamais on boit ensemble et après on couche ensemble et que le lendemain, elle dit « Ouais, mais finalement, en fait, j'étais bourré et que, en fait, j'étais pas consentante. » Ben, boum,
Tu peux, la police vient te chercher. Okay, parce qu'évidemment, bah, c'est comme ça, believe a woman, tu vois, c'est voilà. Sache qu'à tout moment, une meuf, elle peut dire, mettre 10 ans après, ouais, bon, bah, en fin de compte, j'étais pas consentante, finalement. Tu vois. Voilà. 19% des hommes, relentant, j'oublie ce que ça veut dire, du moins en commentaire. 19% des hommes vont être hésitants d'embaucher des femmes qui sont belles. Allez, les gars, ils veulent pas prendre de risques maintenant. Donc voilà où on en arrive. Ça devient ridicule, mais voilà. Maintenant, ce qui va se passer, bah, c'est les hommes, ils vont s'adapter, ils vont s'éloigner. Hein. C'est comme les féministes. Bah, les gars, ils disent, ok, super, ok, vous voulez devenir des hommes? Super, bah, nous, on n'est plus intéressés. Bah, on va aller dans les autres pays pour trouver une femme, ou voilà. Ou sinon, on va faire avec les femmes qui sont féminines. Donc bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire par rapport à ça. Même si j'aime si t'as aimé cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que la chaîne, c'est pour toutes les personnes qui sont déter, qui veulent passer à l'action et créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, c'est le groupe privé. Ok, qui te permet d'accéder à certaines de mes formations, qui te permettra tout simplement d'être indépendant financièrement. Ok, tu as toutes les stratégies pour pouvoir être indépendant financièrement, pouvoir faire au minimum 5 000 euros par mois. Ok, plus tu as du contenu exclusif, tu as un live privé, qu'est-ce que tu as? Tu as plein de choses. Donc, check la page de vente. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.